Jade Fortin, Les vilains lapins. C'est à 18 ans que Jade Fortin a débuté son parcours entrepreneurial, suivant la même voie que ses parents, mais dans un domaine bien différent. Opérant déjà un salon d'esthétique à Lillet, elle a finalement décidé en 2022 de combiner son amour pour le café aux activités de son entreprise existante, créant ainsi l'espace café et la biscuiterie Les vilains lapins. Misant sur un excellent café, l'entreprise se distingue notamment grâce à ses biscuits garnis aux multiples saveurs et à édition limitée. Jade se considère comme une personne avec un brin de folie, très innovatrice et proche de sa clientèle. Pour se différencier, elle se fait un devoir de garder son entreprise à son image. D'ailleurs, Jade redonne une partie de ses profits en dons à un organisme offrant une deuxième chance aux lapins abandonnés et héberge l'un d'eux dans ses locaux. Fière de l'ambiance de son café, cet entrepreneur coloré, qui carbure au défi, rêve en grand pour la suite de son projet. En effet, Jade aimerait franchiser les vilains lapins au Québec, lui permettant ainsi de partager ses produits avec le plus de gens possible, mais tout en assurant judicieusement sa planification pour garantir son succès à long terme.